Ça y est, c'est l'heure. C'est un quart de finale de Coupe du Monde. La pression sur leurs épaules est énorme. On se retrouve dans un instant à l'Albaïd Stadium pour vivre ça ensemble. C'est l'un des joyaux de la péninsule du Qatar. Bienvenue à l'Albaïd Stadium. Le coup d'envoi ne va pas tarder. Je suis en compagnie de mon camarade surnommé la poule guitare, Omar Da Fonseca, et nous allons vous commenter cette rencontre. Au programme, ce quart de finale de la Coupe du Monde, la Croatie contre le Brésil. Et maintenant, pour chaque équipe, il va falloir se montrer, se découvrir, prouver que ce n'est pas par hasard si elles sont parmi les 8 meilleures équipes de la compétition. On retrouve Livakovic, Mario Pazalic sera avec Ivan Perisic sur les ailes et pour terminer l'attaque c'est Andrei Kramaric. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre. Et il remporte son duel, bien défendu. Paqueta. Rafinha. Paqueta hérite de la balle. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Ah non, finalement le ballon est perdu. Mais quelque chose me dit qu'au moment de faire la différence, c'est son nom qui va sortir. On ne l'a jamais vu transpirer avec le ballon dans ses pieds. Tout est fait avec une grande sérénité et un calme olympien. Il a une force de caractère qui l'empêche de ressentir la pression de l'adversaire. Rafinha. Arrêt exceptionnel, le ballon écarté juste devant le but. C'est une parade des classes internationales. Le corner de Neymar. Fini sous sa frappe. Ah, le ballon est contré. C'est un nouveau corner à jouer. Superbe parade, extraordinaire. Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête. Et Neymar perd le ballon. Pasalic. Marquinhos. Bon pressing, ce ballon est perdu et ils vont pouvoir se projeter en attaque. La Croatie a de l'espace sur le côté. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et le Brésil en approche. Ça joue sur Paqueta. Oh, la tentative! Si près du but, c'est vraiment dommage de rater la cible. Il avait une très belle idée derrière la tête dans cette frappe. Mateo Kovacic. Très bonne progression, balle au pied. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Et ça a l'air bien dosé ça. À la réception, Paqueta. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Gvardiol, c'est pour Borna Sosa. Kramaric, Ivan Perisic. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Rafinha, c'est pour Neymar à nouveau.
la perte de balle, ça peut s'avérer très dangereux. Attention à la frappe, et la frappe est contrée. Andrei Kramaric. Ça continue pour la Croatie qui peut avancer dans le couloir. Et ça joue vers Modric. Attention avec ce ballon dans les 18 mètres. Non, ça passe pas, aucune chance. Ballon dégagé. Marcelo Brozovic. Et c'est pour Kovacic. Passe coupée au bon moment, bien joué. Et la frappe est bien contrée. Et un corner pour éventuellement prendre l'avantage dans ce match. Le corner bien tiré. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Passe à Lic. Le ballon pour Brozovic. Bonne intervention, la passe est interceptée. On voit bien avec ces stats que ce n'est pas parce que tu as le ballon. Ah oui, le bon ballon, regardez. À la réception, Paqueta. Le ballon est écarté. C'est terminé pour cette première période donc à l'Al Bayt Stadium. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Mario Pasalic. Et la frappe, attention. Elle a bien défendu de la part de Marquinhos. Alexandro. Le ballon pour Lucas Paqueta. Casemiro. Et peut-être un bon contre à négocier là. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Fred avec le ballon. Attention pour mener au score peut-être. Et voilà, l'ouverture du score, amplement méritée après une nette domination. Regardez le tiki-tac, ce n'est pas la possession stérile. Mais un jeu de passe agressif pour ouvrir une brèche. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Kovacic. Et voilà un ballon perdu trop facilement sur cette passe. Ça joue sur Paqueta. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Neymar. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Pasalic. Ah, bien joué dans la profondeur. Et la parade. Dingue. Quel arrêt. Quelle présence. Surtout quel réflexe. À vous pourtant. C'est exceptionnel. Un changement là côté brésilien. Pourquoi pas, ça joue court. Perlon vers Kramaric. Ah, bien sûr, il y a faute, c'est mal défendu. Et l'arbitre sort le carton jaune sur cette intervention. Oui, c'est le règlement, c'est normal. Bonne intervention défensive, aucune frayeur donc. Un corner pour essayer d'égaliser. Bon, ce corner ne donne rien, renvoyé par la défense. Perlon vers Kramaric. Attention pour égaliser. Et le gardien était bien vigilant. Pas assez de concentration sur cette passe. Lucas Paqueta, balle au pied. Le ballon pour Neymar. Ah, c'est une interception réussie en pleine surface. Il y a de l'espace sur le côté. Vers la surface, le centre part bien. C'est bien joué. Oui, c'est bien fait, le danger est écarté.
Marquinhos. Ah, il mène au score, du coup, il garde au maximum le ballon. Mais non, ce ballon perdu par Neymar. La Croatie peut mettre en place une attaque. Neymar. Lucas Paqueta. Alex Telles qui reçoit la balle. Pour Alex Telles. Et belle passe en profondeur. Allez, il faut aller fixer maintenant. Le but de Neymar. On pensait avec lui qu'on avait tout vu. Eh bien non, il continue à nous surprendre. C'est bel et bien un joueur différent. On le revoit, les échanges de passes laser qui permettent d'ouvrir un décalage. Et ensuite, c'est facile. Et derrière, le 1 contre 1, un gros boulet de canon dans le filet. Histoire de se faire plaisir, c'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Modric. Kovacic. Avec Pasalic maintenant. Andrei Kramaric. Ah, le corps protège parfaitement le ballon. Ballon vers Kramaric. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Pas assez de puissance, cette précision. Le ballon est intercepté. Casemiro. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Et ça joue sur Vinicius. Oh, il peut frapper la Gabriel Jesus. Et c'est le but, encore une situation bien négociée. 3 buts d'écart, quelle performance offensive. Regardez comment l'équipe ne se précipite pas. Ici, la construction, c'est la salle d'attente de l'accélération. On en reste là donc dans ce match.